Bienvenue dans votre premier numéro, l'actualité de la semaine sur Milkhéa TV. Nous la démarrons avec la fête d'Ashura qui marque le 10e jour de la nouvelle année musulmane 1441. En société, les inondations et leurs dégâts dans la banlieue dakaroise ont semé la psychose chez les populations. À Rufisque, les habitants sont dans le désarroi à cause des travaux du train express régional qui, selon les riverains, ont favorisé ces inondations. Sur cette situation, à Tiwawonpol, le tonnerre a tué 2 personnes. L'éducation est marquée par la polémique sur le port du voile à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar, ce qui a valu même la sortie du calife général des Tidianes pour la fermeture de cette école. Mais heureusement, le ministre de l'Éducation nationale et les autorités de cette institution ont trouvé un dénouement. Désormais, les 22 filles vont regagner leur classe ce 19 septembre. Par contre, les parents d'élèves déplorent les clauses de l'accord vu qu'ils ne savent pas le contenu. La rédaction du livre « Histoire générale du Sénégal de nos jours à nos origines » a fait aussi objet de polémiques. Ahmed Khalifa Niass compte porter plainte contre Ibadir Thiam et le comité de direction sur une erreur commise concernant l'histoire d'El Hadji Abdoulaye Niass. Au même titre, la famille Ndiéguène condamne et compte réagir. L'actualité, c'est aussi l'affaissement du collecteur Fan An qui a occasionné la destruction de 3 maisons au niveau des HLM 4. Les remous à l'épresse sont aussi invités à l'actualité. Mamadou Diagne Simbeng tacle sévèrement le PCA Racinci sur la gestion de la boîte. Les transporteurs ne sont pas en reste. Ils continuent de s'opposer contre le règlement 14 de l'IOMOA. Et nous terminons avec l'anniversaire du rappel à Dieu dans Saint-Homme qui aura marqué à vie l'histoire du Sénégal. Mam Abdou Aziz Sy, plus connu sous le nom de Dabar, s'est distingué par son engagement et ses prises de position pour la cause de l'islam. C'est tout pour l'actualité de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, restez connectés sur la chaîne Milkhéa TV.